Bonjour à tous. Kobelco nous a proposé d'essayer quelques jours une pelle de nouvelle génération série 7, donc en l'occurrence une SK140 SRLC-7 équipée d'une flèche déportée originale à double tirant, à double montant. C'est une exclusivité Kobelco avec un balancier de 1,10 m, coupleur et godet enquilable VTN. Cette pelle est équipée de tuiles 600 mm, lame à l'avant, de la nouvelle génération de cabines et de nouveaux composants dans les compartiments moteurs. Ici, un moteur Isuzu de 3,9 litres qui développe 117 chevaux. On a été étonné du coffre de ce moteur, de sa cylindrée bien sûr importante pour une pelle de ce gabarit et de ses performances. Il y a trois niveaux d'utilisation de puissance: économique, standard ou heavy pour les travaux de production. Alors nous, on aurait aimé que la pelle démarre en standard en origine, alors qu'elle démarre dans le dernier mode effectif, c'est un peu dommage. Au niveau de la flèche déportée, ce système original est propre à Kobelco. Plusieurs marques fabriquent des déports parallèles, mais à double tirant comme ici, c'est exclusif à Kobelco. Le vérin est positionné à l'intérieur de la flèche, ce qui le protège des chocs, et c'est une très bonne solution. Ce déport a un capteur d'angle sur le balancier et sur la flèche, ainsi que des protections de vérin, ce qui permet au niveau des capteurs d'angle d'éviter de venir taper dans la cabine lorsque l'on est replié à fond ou lorsque l'on est levé à fond, c'est important. Et les plaques de protection de vérin évitent de faire tomber des cailloux ou des matériaux sous le vérin quand la pelle est complètement repliée. Ces deux capteurs d'angle permettent d'avoir une indication de profondeur de travail. Alors je ne vais pas utiliser, comme certains fabricants, de la 2D, parce que c'est faux, ça n'est pas de la 2D. De la 2D, c'est un système qui permet d'avoir indéfiniment une pente ou deux pentes sur un sol, sans tenir compte de la position de la machine. Alors ça n'est pas de la 2D, c'est un positionnement de la machine, ça n'est pas de la 2D. La positionnement de la machine, c'est-à-dire qu'on va poser le godet au niveau du sol, on va faire un point zéro, et quand on va creuser une fouille, mettons en tranchée, on va donner une profondeur de fouille que l'on pourra reporter à l'infini. Lorsqu'on va faire un nivellement avec un godet de talutage comme ici, on va pouvoir positionner ce godet à un point donné, et chaque fois que l'on va recueillir la pelle, refaire un positionnement avant et après le déplacement. C'est un très bon indicateur pour faire des travaux de terrassement ou des travaux de tranchée, mais ça ne permet pas de faire la centimétrique au niveau de la finition. Ce système-là donc donne une profondeur de travail, mais permet aussi d'avoir une limitation vers le haut lorsque la pelle va travailler sous des fils PTT, dans des bâtiments industriels ou sous des arbres. On peut limiter la hauteur de la flèche, on peut aussi limiter le débattement du balancier, et une astuce géniale, on peut limiter l'angle du déport. Donc quand on va travailler avec un godet en urbain où on va vouloir tourner dans des espaces restreints, on peut limiter le débattement du déport, ou lorsque l'on va être obligé de rapporter la flèche dans l'axe pour tourner, quand on va repositionner le déport en position de tranchée, on va retrouver naturellement la position initiale de la passe précédente. Ça, c'est vraiment un très bon système, c'est facile à exploiter. Dans cette cabine, lorsque l'accoudoir est relevé, l'interface de l'écran est une interface de réglage. C'est très simple et très pratique. On ne peut pas régler une partie des éléments de sécurité tant que l'accoudoir n'est pas relevé, donc on bloque les mouvements de la pelle naturellement sans toucher aucun bouton. Ça, je trouve très bien. Comme toutes les nouvelles générations de pelles, les manettes sont suspendues au siège, sont bien sûr réglables indépendamment du siège. On peut avancer, reculer les manettes, on peut avancer, reculer le siège ou avancer, reculer l'ensemble. Ça, c'est très bien, ça permet d'avoir différents gabarits dans la même cabine, tout se règle en hauteur, bien sûr, individuellement. C'est un très bon système. Les pédaliers, j'appréciais énormément les pédaliers d'avancement parce qu'ils ont une forme ergonomique qui reprend bien la position des pieds. C'est quelque chose de très souple à manipuler, j'ai trouvé ça très bien. J'ai apprécié le grand écran, globalement, par les différentes possibilités de caméra, par tous les réglages qu'il donne, y compris la dépressurisation, qui est une solution toute bête,
comme sur les chariots télescopiques, on peut rentrer dans un menu, dépressuriser les auxiliaires de la machine pour accrocher les accessoires sans s'emmerder. Par contre, je déplore que cet écran, lorsqu'on utilise des fonctions au travail de modification, la partie curseur indicateur est petit. Il faut vraiment être attentif à ce que l'on fait. Je trouve que c'est dommage quand on utilise les réglages que ça ne vienne pas au centre de l'écran en plus gros. Je dirais que pour moi, la cabine, dans son ensemble, on va mettre un 9 sur 10. C'est sûrement une des meilleures cabines du marché. À 3 ou 4 détails près, l'essuie-glace bas. C'est dommage qu'il n'y ait pas deux essuie-glaces en standard sur une pelle comme ça. Les petits pictogrammes qui devraient être un petit peu plus gros. 2-3 petits détails. Mais globalement, c'est vraiment très très bien. Au niveau de l'équipement déporté, je suis, vous le savez tous, un partisan des flèches déport en tranchée en urbain. Je trouve que c'est plus logique d'avoir un balancier dans l'axe qu'un balancier en travers avec des couronnes rotatives, quel que soit le système. Donc je trouve que c'est vraiment bien adapté à de l'urbain, à les travaux tranchés. Au niveau châssis, deux galets supérieurs, ce qui permet d'avoir un bon guidage des chaînes et d'avoir moins d'effet de vibration en déplacement. Les guides chaînes centraux avant en standard, de vitesse d'avancement comme toutes les pelles, il y a une bonne force de translation qui m'a paru correcte. Par rapport au poids de la pelle, il faut toujours rapporter le poids de la pelle et la force de translation. Avoir une grosse force de translation avec une pelle plus lourde, ben, ça est équivalent à une pelle plus légère avec moins de force. J'ai trouvé que c'était correct, dans la bonne moyenne du marché. Bonne force de poussée à la lame. Ce que j'ai apprécié au niveau de cet ensemble, c'est la stabilité. La machine est équipée d'un contrepoids, je crois qu'il fait 580 kg auxiliaire supplémentaire, qui dépasse un petit peu du rayon standard. Et cette pelle, avec un godet de terrassement, dans des cycles rapides, est vraiment stable. C'est, je crois qu'elle pèse, je dis bien de mémoire, 17 tonnes ici. Personnellement, j'aurais aimé qu'elle pèse 500 kg de plus, un poids légèrement supérieur, avec une flèche un peu plus longue. Je pense que cette pelle, avec une flèche identique, exactement la même, 30 à 40 cm plus long, un contrepoids légèrement plus lourd, passerait dans le gabarit 17 tonnes et permettrait de travailler dans des panneaux de blindage parce que là on est quand même un petit peu short pour travailler en grande profondeur. Au niveau accès arrière au radiateur, j'ai apprécié le système de refroidissement avec la grille alvéolée qui est très facile à démonter et qui protège bien les entrées de matériaux. Les deux grandes portes arrière qui donnent accès à gauche au refroidisseur et à droite aux pompes. Sur l'ensemble de la pelle, toujours pareil, comme je vous ai parlé de cabine, je dirais, je vais mettre entre un 8,5 et un 9. Peut-être pas un 9, mais un bon 8,5 franc sur la globalité de la pelle. Il y avait moyen d'améliorer quelques petits détails en alourdissant la pelle, en allongeant la flèche. Dans son ensemble, c'est très bien. La force d'arrachement, il n'y a rien à dire. La vitesse de cycle, c'est rapide. Quand on fait des tests machines, chaque fois, on différencie la cabine, les équipements, l'accès moteur, l'entretien. Sur tous ces postes-là, la machine est dans du haut de gamme. Au niveau performance, je vous l'ai dit, voilà, deux ou trois petits détails qui pourraient être améliorés d'ici quelques années. C'est très simple à faire. Et ensuite, sur la vision globale, j'ai été étonné. Alors, je vais pas me faire bien voir de gens de Kobelco. Il y a 2 ans, on a fait un test machine avec plusieurs marques. L'ancienne génération Kobelco, ça ne m'avait pas époustouflé. Malgré ce que pouvaient dire certaines personnes, je n'ai pas été très emballé. Aujourd'hui, je peux dire le contraire, totalement franchement, cette pelle m'a beaucoup plu et je suis convaincu qu'ils vont la vendre en grand volume. Je vous remercie à tous.